au combat zone de Meneo s'y a touché si on parle ouel il a prend toutes amis au bail la police il a prend toutes amis au bail la police et puis il cherche chaque jeune garçon ça veut intégrer en côté mais pas gagne de négligé zame dans Meneo nous pas comme ça pour le pays là faut commencer à poser question pour connait vraie mission vrai rôle l'armée d'Haïti à Gino Jean-Baptiste moi en désaccord avec moi d'après dit l'ONU qui expliquait l'ONU expliquait, il dit, pendant ce haut commissaire Nations Unies, Douamoun, qui expliquait Gino Jean-Baptiste, et c'est grave, ça n'a pas vivre là, c'est Volker Türk, il dit gagné 1554 moun qui mourit, gagné 1554 moun yoti et Gino Jean-Baptiste. Bandi, exam qui tire Mounsayo pendant premier trimestre année 2024 là, puisque nous sommes au mois de mars. Et mois de mars là fini week-end ça. Volker Türk lui-même lui lancé un appel by communauté internationale là pour venir en aide à la population haïtienne. Il dit qu'il croit qui vraiment actuellement dans le moment noir dans le pays. Non, même c'est pas parce que nous gagnons position dans boucanter la parole. Nous pas gagnons position sur le monde. Nous pas gagnons position sur le monde. Et nous, FAO, lui-même, qui est très préoccupé par l'aggravation de la crise alimentaire qui est dans le pays. Il parle de 4,97 millions de monde qui n'ont pas insécurité alimentaire. C'est gros français, FAO a parlé. FAO dit qu'il y a 4,97 millions de monde. 97 millions, moun qui pas qu'à manger. Et c'est ça que vous expliquez, oui. Mais ça, je pense qu'il faut un petit détail. Le CNS a fait rapport. Est-ce que moun qui pas qu'à manger, c'est comme vous baguez? Ou dis-moi, c'est manger, vous ne pouvez pas jouer. Ok? Est-ce que c'est l'argent, vous ne pouvez pas gagner? Ou bien c'est manger, vous ne pouvez pas acheter? Je pense que nous avons besoin plus de détails. Plus de détails sur ça. Mais essayez de garder ensemble des tableaux ça avec vous. Son façon pour nous dire qui ça, réalité à lui-même lié. Si nous sommes capables de prendre exemple et toujours exemple au conseil et au commissaire droit de l'homme des Nations Unies qui parle de 1554 monde qui mourit, gain 826 blessés et gain 50 cas de lynchage et parmi moun sa yo Gino Jean-Baptiste li parle de femmes qui ont violé par membre gang qui a opéré dans plusieurs quartiers que ce soit à Port-au-Prince et dans la Tibonite Gino Jean-Baptiste. Donc ça veut dire voilà situation que nous là dans la journée jodi a. Et jodi a encore nèg a exam yo pas suspend fait parler de yo. M'pa konn sou rive vérifier li m'rele en pile moun puisque c'est très difficile mais certainement moi gen des médias qui parlent de li. Ça crée les en bas la ville là. Ça crée les champs de masse là sont entités qui pas existé encore même. Donc c'est voilà c'est étape il y a ça et je crois que nous connaît que tout le monde tente de boucanter la parole. Et tout le monde, toute catégorie sociale, tout statut confondu tente de boucanter la parole. Et ça qu'a privé dans le pays à Port-au-Prince, Saint-Domingue Port-au-Prince, Champ de Mars et dans la région autour, notamment la Tibonite. Côté ces centres névralgiques, production du rien qui est affecté. L'aime parler de cette névralgique production du rien. Pour nous qui connaît la Tibonite, côté qui produit plus du riz, c'est bas à Tibonite. Là, dit bas à Tibonite, ou dit commune qui n'a platon, qui n'a bassin. Yo. Notamment, c'est Rivière la Tibonite, Rivière la Tibonite, l'Estelle, Liancourt, des dunes, ouais. Des dunes, la chapelle, etc. Donc, au Tibonite, c'est Gonaïve, Henry, Mamelade, Gomez, etc. Donc, c'est-à-dire, zone qui est affectée par activité bandio et, du coup, contrariée travail agriculteur, c'est bas à Tibonite. Bagay sa gen environ 3 ans, 3 à 4 ans. Centre-ville Port-au-Prince qui est invivable, Valestin,
Et à soi, faut que nous dit la pays. Je me rappelle, 2018, Jean Essayant, non, Jacques Guy Lafontaine était encore premier ministre. Docteur Jacques Guy Lafontaine. T'es une conférence de presse mai 2018, dans la primature, dans le local primature qui sous bicentenaire là. J'étais présent comme un journaliste à l'époque qui était accrédité dans le Parlement haïtien. Plusieurs moments valestins durant la conférence de presse, Bal a chanté en bas. À l'époque, c'était Arnel Joseph comme chef gang qui t'a fait parler de lui. Bal chantait, mais à l'époque, pendant que Bal toujours a chanté dans le village, dans les environs où on subit centenaire là, vous avez l'impression que tout fonctionne correctement. Les acteurs se disent, ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'à l'époque, moi-même, comme journaliste qui a accrédité dans le Parlement, comme tout parlementaire ou tout valiste, comme tout acteur politique, chaque jour qu'il y a un événement en bas, tout le monde descend en bas dans le Parlement. Parce que le Parlement, c'est un grand centre d'attraction, d'activité, militants politiques viennent, ministres viennent en audition, président viennent chaque nouvelle année pour commencer pour faire discours sur l'État nation. C'est-à-dire que tu as la vie en bas. Mais, Samuel Dimounio, tu as toujours des signaux, des micro-signaux qui disent que tu as mal développé là. Et c'est sous point ça, Valestin. Parce que force morale, yo, boucater la parole. Force politique, yo, force sociale, yo, si encore il existait, si encore il est capable de réinventer tu Valestin, il est en pile. Ismaël Valestin. Il y a eu, Valestin, tellement de signes, tellement de micro-signaux, dit le jonglé, qui t'ont annoncé nous cette catastrophe mortelle, mortifère pour Haïti. Mai 2018, Jacques Guy Lafontaine Vinalé, dans le contexte que je connais, très bien, je connais une bonne mémoire, que je décris dans le livre moyen, Jean-Yves Saint Pralvin prend pouvoir. Pendant ces séances pour Valestin, dans la primature, là, que m'a côtoyé de façon régulière, de temps en temps, Valestin, il y a un bal qui chante en bas. Il y a un petit courri. Dans la même époque, ça, Valestin, Copa Airlines, son compagnie qui t'a fait kiffer la parole, vol Haïti et des pays de l'Amérique latine, notamment Panama, Chili, etc. Mexique. Il pourrait le quitter en bas. Il pourrait le quitter en bas quand il était tout près, Banque Centrale. C'est. Boucater la parole. À petit pas. Mais chaque petit signal, Valestin, ou bien l'impression, les forces morales, les forces politiques, les forces économiques, yo bouche les oreilles, yo barre les yeux. Presque même bagaille ont été fait en ce qui a trait à la construction de l'hôpital, yo. Même bagaille ont été fait en 2010 lorsque nous avons envahi Canada. Même bagaille nous fait pour toutes les zones protégées de ce pays. Que population, hein? Envahi parce que l'État échoué, parce que chaque pays a collectif. Même bagay yo fait tout pour tout le monde qui envahit mon canapé vert, construit Jean Ouvlé, va y qui va. C'est-à-dire, ça me l'a dit à ce pour nous comprendre, pas qu'un pays qui pas pour recevoir genre de alerte ça yo. Qui pape analyser, qui pape réunir sur eux, qui pape dire, monsieur, comment est-ce pour nous faire là? Parce qu'il y a des alertes, il y a des signaux clairs qui annoncent une catastrophe totale pour le pays. 2018, nous avons signalé, 2019, nous avons signalé, j'ai réussi à venir tomber, et Jean-Michel Lapin parle pour le ministre, il parle environ 14 mois, le Lapin pour le ministre, c'est Lapin qui a quitté en bas, Bicentenaire là, il n'y a pas quitté le bureau qui est en bas sous Bicentenaire là, c'est pour la grande débandade. Ouais. Qui m'a quitté, parc est quitté, et puis peu à peu, je dis à Nouvelle-Liste, comme vous cantez la parole, alors, avant venir à Nouvelle-Liste, là, je parle pour le message, il tourne sous Bicentenaire. Radio-mé. Et Ariel vini, et après un petit temps, Ariel va décider.
liquide bicentenaire tout et puis au monter là et puis yo fomon neuf tout yo présente nos bagages yo dit nous yo fini vie la d'accueil là qui t'écrasé dans l'événement du 12 janvier. Parce que nous voulons que c'est juste 2023. Oui, oui. Malgré tout, nous voulons essayer Kembe en bas, malgré une institution non étatique, l'État essaye de résister en bas. Parlement pour aller courir qui était en bas, la douane pour aller courir en bas, comme l'emmène pour déplacer avec APN toujours en bas. Est-ce que l'administration toujours en bas? Baronnet. Mais base là, il est toujours en bas. Aussi, l'État même, je ne sais pas si l'appel ou fait là, soeur. Ou juste le montrer comme si, ça ne l'a dans la Jodia, c'est pour bon matin lever pour nous là. Nous travaillons pour nous là. Nous construisons ça là. Nous contribuons dans ça là. Ou on est sous aucun prétexte. Là, on prend parlement. Pas parlement, non? Par la justice, non? La justice, là. Le sage quoi, Luc Mandel, il t'a demandé de vous lever le mini-justice des campions. Quoi pour ça? Bataille contre ça. L'elle va là, m'gwena piyoza, yo prend li, ne yo levé par la justice, yo levé coup d'appel. Les bandits envahis par la justice là, Gino. Et c'est ça, nous dit récemment. Bah, qu'on est non, comme ça, Haïti m'a vive. Bon, m'pas quoi, y'a des mouns qui a même pris chance bouler en commissariat Saint-Domingue. On pas quoi gagne des monde qui fait en France, bon petit pays, on pas quoi gagne des monde qui fait le Jamaïque boulon commissariat. Comme si pour des nèg exam camper à marcher boulon commissariat avec la police camper là pour observer pour caillou courir oui. Depuis les autres ban oui comme policier, symbole là, symbole la police là ou disparaît li. Et pour montrer ou pas rien. Nèg yo fait senti c'est au cap diriger. Il y a l'attaque qui a été général là pour me tourner sous bicentenaire. Depuis les nègres attaqués par la justice, il y a une réponse drastique qui te doit bailler, oui. Automatique. Au lieu de bailler réponse là, Gino Jean-Baptiste, il a quitté l'espace là. Il a quitté. Donc c'est-à-dire que, merci pour Bella Juste à Valestin, il se passe que ça me dit, c'est que, qu'il y a des signaux qui baillent, deux petits signaux qui baillent, qui dit que, il y a un danger qui a monté là. Dans toute société normale, côté force vivio, vivant, yo existe, y a bataille pour nouvelle Haïti vrai, yo pas accroché à tes intérêts, mais ce que, j'en lis en Haïti, ya, a bien, de grands hommes sous ça, qui dit, monsieur, dans le village là, Anel a fait parler de lui, tout en bas la chanté, en bas la guessée, dans le parlement, monsieur, faut éviter pour drame dans la vie générale. Monsieur, comme quoi, comme quoi, on a le grand monde qui a l'école, qui dit nous faire université, qui dit nous étudier aux États-Unis, en Allemagne, en France, en République Dominicaine, en Haïti. Nous, on signale de un mal qui a grandi chaque jour. Monsieur, nous quittons pas la tête de niveau de pourriture, ça. Non, c'est débat dans le pays. À soi. Comme si pour de gros grand monde, qui baptisé, qui communié, hein? Ouais, on mal a grandi à petit feu. Nous qui t'allons atteindre niveau ça. Puis, qu'à quel auditeur boucanté la parole comprenne que ça la vive jodia en mars 2024, son l'oreille qui calèle. Les gros cheminement profond, les gros cheminement profond et long. Mais si nous choisissons, si nous conscrivons dans 4-5 dernières années, nous comprenons que tu as des signaux qui t'ont lancé à la société, tu as des groupes de gangs là qui t'ont en miniature, qui t'ont en développement, qui t'ont tout dit l'État, m'a privé sous, oui. Nous avons une force de frappe qui a monté là, n'a privé sous. Malgré ces signaux, société a fait choix, elle toujours fait. Pardon. Boucher les oreilles, barre les yeux. Parce que si pas de gain boucher les oreilles, si pas de gain barre les yeux, pas de gain tout dégât nous là dans l'hôpital. Si pas de gain boucher les yeux, si pas de gain boucher les oreilles, pas de gain ça n'est là, canard. Parce que
tellement de voix se sont soulevées pour dire que menace canard là en national numéro 1 gon menace cap grandi là ou pas prendre des humains des êtres humains ou voyez à l'habiter comme ça dans le grand désordre sans aucun plan urbanistique ou pas faire ça pays pas fonctionner comme ça sans aucun projet sans aucun plan d'aménagement du territoire. Il y a des voix qui soulevaient, qui disent ça. Beaucoup de voix se sont soulevées pour dire ça, pour alerter sur cette menace-là. On prend Canaran, on prend mon hôpital, mais c'est pour toutes les montagnes à Port-au-Prince, toutes les zones qui devraient être des zones protégées. Boukate, hein? La parole. Des zones forestières que la population a levées, les construisent avec les vannes. Mais il n'est pas le coupable, il n'est pas le même qui est responsable. C'est la faillite de l'État, c'est la faillite de l'État, c'est la faillite collective de société A pour nous penser espace ambiant, espace physique que nous appelons pour nous occuper, que tout pays va laisser que la Dominicanie, Santo Domingo qui est près de 20 espaces verts. Ils ont réfléchi, ils ont pensé espace physique, ils ont dit son capitale n'a fait. Une capitale, c'est une ville moderne qui a des routes, qui a un port, qui a un aéroport, qui a des parcs, qui a des zones vertes, qui a des lieux protégés. Monsieur, va laisser m'énerver, man. En 50 ans, qu'est-ce qu'on a fait de Port-au-Prince? En 50 ans, qu'est-ce qu'on a fait du Cap haïtien? Les Cap, moi, mon yotou, va laisser. En 50 ans, qu'est-ce qu'on a fait des Gonaïves? Les Gonaïves, moi, mon yotou. Nous, pour pays, nous dit, l'État absent, nous quitter peuple à construire Jean Vlé, fait ça Vlé. Non, construire, fait ça Vlé, eh bien, là, il va dire au point de sens. Parce que il y a besoin d'espace qui propice pour faire commerce, li, qui c'est la ghettoisation, les constructions anarchiques, petit bicoque, petit maisonnette, petit coincé par une route, la force pas qu'à rentrer par un contrôle. Et ça ne fait pas laisser en 50-40 ans, man. Pendant que nous avons évité ça, man. Pardon, mon Ismaël. Nous avons évité ça, Ismaël. Nous avons évité ça. Nous quittons mal là, prendre des proportions vertigineuses. Maintenant, pour nous résoudre, les vies mènent davantage d'efforts. Or, il y a 20 ans, 10 ans, 15 ans, ou bien 5 ans de cela, lorsque nous avons reçu les premiers signaux à Port-au-Prince, de bandits qui ont monté dans un village de Dieu. Nous avons déboursé moins d'efforts pour nous résoudre. Je veux dire, la vie est compliquée dans nous. Il y a un village là, il y a Fontamara, il y a Gravine, il y a Carrefour, il y a tout. Bah, où tu as sur le numéro 2, la vie est compliquée dans nous parce que la société, l'État haïtien, débouche les oreilles, fait mes yeux. On va laisser regarder ça avec l'auditeur nous, Gino Jean-Baptiste, s'asseoir dans l'émission pour canter la parole. Mais ce nous allons faire ensemble pour nous tendre message directeur général la police là, mon cher Franz LB, dans un contexte extrêmement difficile que le pays a lui-même la connaît journée jeudi. Citoyens et citoyennes pays, compatriotes de tous côtés dans le pays, à Claude Baudelot. Société noire a traversé toute qualité de crise. En crise politique, ma connaît à la crise de sécurité. Que le pays n'a pas, je me connais. Qui la cause? Si le monde n'a pas à l'école, commerce n'a pas à fonctionner, port à l'aéroport fermé, institution l'État, commissariat et sous-commissariat attaqué sans arrêter. Bandits criminels font un peu le monde dans la population abandonner quartier, caillou. Ça n'a pas même connaît qui côté au bralé. Bandit, saboter, touiller, piller un peu le business privé sur route. Mettez différent dans l'école, l'église, l'hôpital, pharmacie, université, la banque et la trier. Région nord là, avec région sud là, déconnectée à Port-au-Prince. Ça qui la cause? Moun at marchandise parce qu'il est libre dans le pays. La situation difficile, ça, que nous examen à tout acolyte, mettez-nous, la police vient dire nous, ils campent ferme avec nous et ils comprennent le problème avec tête chargée que nous avons traversé. La police a vint dire population, c'est résistance qui bat force et courage pour continuer la bataille pour nous retourner dans le quartier,
et dans mitan famille nous. C'est peut-être ça. La police après vous suivre opération yo. La journée ou la nuit. Vous cantez la parole. C'est peut-être ça tout. Commandement, pape Jean suspend fait louange. Radio courage et détermination policier vaillant nous yo. Qui te respecte consigne que nous débat et qui capte Jem l'engoumé pour la paix retourner. La journée ou la nuit pour ne pas quitter pays à tomber dans main bandit criminel yo. Commandement a profité dit frère Axel policier yo que me femme pas laguer parce que j'ai force à yo provoquer en pile admiration et ak satisfaction dans mitan population à gros commandement. La police a pas oublié remercier tout citoyen ak institution en la société a qui continue faire confiance et qui montre ça dans publication note ak message que adressé. Dans sens ça, la police a quitté porte la l'ouvri bien grand pour tout groupe en la société civile là qui voulait porter coller avec elle en chercher bon genre solution dans affaire sécurité là. Parce que la police a arrêté quoi? C'est le mariage police population. La tête collée à tout secteur organisé dans le pays là que n'a joindre bon genre solution dans crise sécurité ça cap n'est pas fini société là. Pour nous finir, n'a pas rappelé que la police a son institution républicaine qui était attachée à la loi et à maman loi pays a quelle obligation pour le respecter et pour le faire respecter. Victoire pour nous lier. Vive police nationale d'Haïti. Vive Haïti. Alors Franz Elbe qui dans une interview dans un message lié qui dressait un bilan de tout dégâts né qui gen zam nan me fè an dan peyi a, l'école pa ka fonctionner notamment nan capitale peyi a Jean Baptiste, c'est business, gros business, petit business, c'est tout crasé en pile institution étatique Jean Baptiste disparaît, crasé en bas main et né qui gen zam nan me yo an dan peyi a et nan deuxième partie an li exprimé li fait déjà la police a fait connaître la police là prêté ferme la kembe ferme avec population et li croit c'est résistance population qui fait la police là kembe la journée jodi a li dit a continuer travail pour et continuer mener opération pour mettre tout bandi et dans rolio sous table le conseil Jean Baptiste c'est ça premier deuxième partie a mais dans troisième partie a pour le conclure Jean Baptiste li longer la main ben toute force vive tout secteur organisé dans société a ça qui arrive depuis quelque temps dans pays a avec attaque et qui aboutit à évasion totale qui était gain dans deux prisons, deux principales prisons Port-au-Prince, quoi des bouquets et Centre-ville Port-au-Prince. Ça qui arrivé à CAI DGA, monsieur Franz Elbe. C'est toi. Radio Omega. Ça qui s'est menté devant bon Dieu, yo pas vivre l'autre côté. Et ça qui dit côté l'ombre qui a marré, c'est là y a fait vieillot, c'est là y a prêté. C'est vent la misère pour ces doyo, yo tombé l'autre bord de l'eau. Gen sak bien ki pa jam manke an yen me zami kidnapper chime fè yo pè yo kouri gen et tout bagay eske tout bagay en forme bon voilà jusqu'à présent tout bagay en forme n'a essayé garder et avec studio ki sa nou genyen OK tout bagay parce c'était tourné en place où tu as parlé sous déclaration, sous bien message du directeur général. Là. Oui, je disais que, et dernier événement, yo,
yo réduit à néant toute petite confiance que population était capable gagner dans PNH là par rapport à façon qui tellement facile hein groupe gang yo craser pénitencier national yo craser tout le quoi des bouquets et façon que yo atteigne résidence privée déjà dans quel que soit pays sous la terre lorsque en prison nous ça souvent non en prison craser c'est un gros bouton ton événement n'en parlons même pas pour résidence privée yon DG la police. C'est un gros événement, c'est un gros bout de tonton événement, c'est un symbole. Résidence DG, c'est un symbole de l'État, un symbole de puissance. Qui dit l'État dit puissance. Eh bien, Bandi montre que pas une puissance, pas un symbole. Au Kazel, on a vu les images sur les réseaux sociaux et c'était humiliant pour l'image de la PNH. Je dis à toutes volontarisme car il y a un pile volontarisme bon côté au commandement notamment Francel B qui c'est le premier des policiers pour montrer que la police est à genoux mais elle pas tombée mais elle pas mourir. C'est très bien, il faut vendre cette image parce que position PAM c'est que il faut être toujours du côté des forces de l'ordre de la PNH, qui c'est une force républicaine, qui c'est une force légale. Mais Féo Valestin, il montre que Bagayla dépassé 5 cas de message volontariste. 5 cas de message qui voulait partager optimisme, qui voulait renforcer détermination nos vaillants agents de l'ordre qui n'ont pas national, qui n'ont académie de police, qui n'ont rare commissariat qui encore existant, qui dans la rue, à ce moment quelqu'un dans la rue quand même, qui a fait travail yo, malgré tout drame qu'a privé pays ces derniers temps. Dans ce sens ça, le message du DG est bienvenu. Parce que la police a vécu des moments compliqués face à l'assaut des groupes criminels. Par contre, ça pour nous dire, c'est que ça n'a pas changé grand-chose dans la nation. Hein. Ça n'a pas changé grand-chose dans la nation crise-là. Vu genre que groupe criminel, yo, quoi que, c'est eux-mêmes qui mettent pays. Hein. C'est eux-mêmes qui sont capables d'imposer volonté. Yo. C'est eux-mêmes qui sont capables d'imposer terreur yo à la population civile. Là. Et il y en a pas que j'aimerais comprendre, c'est que je écris ça dans un texte, dans un article pour pas poste en 2020. Radio c'est pas le valet, diviser la société. Là. Mais m'a posé Google gang une question. Ça. Monsieur, vous faites 4 ans, là, 5 ans à bout, vous avez kidnappé le monde. Je vais un bel article je dis, de Claude Joseph que Claude a fait sur le livre Haïti, la fin d'une histoire économique de Fridjian, livre qui sortit en 2016, que m'encourage tout le monde lit. Claude te font un article critique de lui. Même fin de l'article, je prends des notes, et parmi notes que je prends au Valestin, 5% c'est des recherches approfondies soutenues par la Banque mondiale depuis 50-60 l'année. 5% de la société, hein, qui c'est quelques familles, ils ont possédé la totalité de la richesse nationale. Presque 96%. 5% quelques rares familles dans la société haïtienne, ils possédaient presque la quasi-totalité de la richesse nationale. Attendez bien, ça me va le dire, Valestin. Mais en 5 ans, je parle ce soir, je ne vais pas aller asseoir avec gang. Yo. En 5 ans, Valestin, je ne vais pas diviser la société. Je ne vais pas faire gang yo anti-logique. En 5 ans, groupe gang yo vient à Valestin. Boukate la parole. Yo décapitalisé nèg noue femme noue pareil yo. Yo massacré ti économie ti réserve ti épargne que moun gen la banque. Combien malheur que te gon ti épargne 1 million, 300 000, 200 000 goud. Que te gon ti bœuf, on ti cabri, ton ti machine qui oblige vendre ni pour libérer un soeur, un frère, un petit, ton matin, ton tonton.
des centaines, des milliers, voire des milliers. Combien malheureux que gang kidnappé, yo fin décapitaliser puis yo tuer en 5 ans. Actuellement, on est parce qu'il réduit. Pas que moun ça encore, pas existe. Donc bandi yo qui c'est? Noue couleur, noue pour, c'est nèg noue. Des boussales, fils de boussales. Même j'ai avec moi, Yo attaqué les fils des boussales également. Yo pas fait créole mal. M'pas demandé pour faire créole mal. Non, attendez bien. M'pas demandé ça. Yo attaqué les boussales, les fils de boussales pareil yo. Yo attaqué un boussal. Yo attaqué un boussal tout. Yo massacré, yo violé, yo pillé. Yo fait tout ça pas bon. Et puis maintenant, nos chefs de gang qu'on y a, on dit que. Ou pour y vaisseau, les gars, quoi pour y vaisseau, n'est-ce l'économie? Ça va qui bé? 5 ans, n'a pas massacré classe moyenne, n'a pas massacré ça, pipov, yo. Monsieur, on me dit non. Monsieur, pas grand écrit encore. M'barre de nous kidnapper, n'est-ce qui possède 5%, n'est-ce qui possède 45% de l'économie pays, y'a non? Et pas ça, m'en de nous. Et quel monde TikTok pas déformé pour boum? M'barre de nous kidnapper, n'est-ce qui possède la quasi-totalité de l'économie pays, y'a. Pas ça demander nous. Vous cantez la parole. Mais monsieur, regardez tête ton ami. Ouais, monsieur. Radio Omega. Tout drame, tout crime nous fait. Ok, est-ce qui est victime? C'est des fils des boussales. Tant qu'on nous, monsieur. Voilà, je dis à soi, je suis dans l'effet, dans le sentiment, dans l'émotion. Il a dit, je ne vois pas de blague, monsieur. Il n'y a pas de sentiment, non? Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'effet avec vous. Là, il faut que c'est lié au fait. Mais comme ça, monsieur, mais. Soit obligé de dire ça, monsieur. Monsieur, en 5 ans, là, monsieur, regardez ça nous fait. Regardez tout drame nous fait. Regardez les gens qui mourent. Regardez les gens qui kidnappent. Regardez tout le monde que nous fait quitter le pays, qui déplace. Oui, les gens qui vendent les armes et les balles sont responsables. Oui, les gens qui ont fait l'argent, les détenteurs de l'économie criminelle, ils sont méchants et criminels aussi, hein. Oui, etc. Patati patata, les États-Unis et la Dominicanie qui permettent de passer la caille. Oui, aux méchants, aux criminels, tout. Mais vous, les chefs de gang, hein, vous, fils de Bossal, nous faisons payer un pile mal, monsieur. Mais payer un tiré, puis monsieur. Nous disons la bataille pour le peuple, nous disons nous voulons vivre ensemble. Vivre ensemble, qui est-ce capable de vivre ensemble? Mais il faut regarder ton ami, pour dire, monsieur, en 5 ans, nous faisons trop de crimes, monsieur. Trop de crimes, monsieur, nous faisons trop mal, nous faisons assez de cob. Nous faisons assez de cob. Mais on va dire des vieux, on va dire combien de temps lié. Comme si vous voulez, vous faites pile cob, mais vous dites bon, vous faites quitter pour arrière, et nous n'en combattons n'importe quoi est capable d'arriver, Juno, Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, vous voulez commencer l'émission Boukanté la parole comme ça, nous paraît avec Mounio comme si nous présentions une situation. Et c'est ça, là, nous allons venir arriver avec vous, Juno, Jean-Baptiste. Boukanté la parole. Nous décrit la situation qui est là, et qu'on y a. Gagné, peut-être c'est Samounio qui a un problème avec nous. Ou bien avec Boukanté la parole, ou bien avec nous, Déa. Puisque pendant ces semaines, ça a eu guerrier Henri par là. Gagnon, moi-même, en dans le document créé le CPA Gino Jean-Baptiste, moi j'ai des accords avec lui. Moi j'ai des accords avec lui. Mais comme moun, nous avons un pays qui a disparu. Certainement, ou quand j'ai des gens qui disent là, c'est pas aujourd'hui à pays a pas existé, et pas aujourd'hui à problème yo t'es là. Sans bavle, font éloge pour lui, n'a boucanté la parole, mais nous avons force émission ça a, l'elle dit yon parole, Gino Jean-Baptiste, comment la ria concevoir lui? T'es toujours gagné, négatif. Et dans l'espace, ça, on est toujours à demander à Ariel Henry qui sa participation là y est. Sous Jovenel Moïse, en juin 2021, il prend Zone Matissan. Mais c'est sous Ariel Henry qui t'a gagné mission, Juno Jean-Baptiste, pour rétablir la paix, l'ordre. En d'un pays à organiser élection. C'était principale mission. Mais, Livin là, avec des gens qui ne peuvent jamais capables de gagner élection en d'un pays à,
yo rentré dans tête li pour dire monsieur Ariel Henry boucanter la parole si nous pérenniser situation sécurité pays a nous capable faire plus temps au pouvoir et qui est-ce qui kembe Ariel Henry aujourd'hui en campé loin même moun sa yo peut-être gen des moun nan pouvoir Jean Baptiste qui t'a fait rejet doux qui croit avec présence yo sous terrain moun pa ka manifester et les ça n'a fait plus temps mais Ariel pat là Ariel de là parce que je dis à fond garder ça nous presque arrivé dans situation journée jodi là yo n'pa ka supporter l'autre yo n'pa ka supporter l'autre journée jodi là parce que gagne presque tout business fermé tout business fermé manger pas ka rentrer moun pa ka voyager et si gon kakarel là si gon problème là tout on a fait là sous nous là n'importe ça gagne là nous tout a fait sous nous là nous tout a fait sous nous là mais jodi a pendant plusieurs secteurs moi tombé sous tripotaille la caille journée jodi a moi regardé un groupe qui présentait un sondage et dans tout pays a bon comment ils procédaient à sondage là Jean Baptiste bah on est est-ce que c'est des monde qui allait est-ce que c'est des monde Gino qui allait souterrain comment sondage la procédé pas connait parce que dit il fait dans tout pays a puisque jodi a nous connaît nous couper communication avec tout reste pays a il présenter conférence là jodi a pour présenter sondage là jodi a pour montrer tout monde gagner yo gagne j'ai fixé sous cour de cassation puisque yo garder comportement Erta Pascal Touyou yo garder comportement Boniface Alexandre yo garder plusieurs autres encore qui ça a été réalisé en dans pays a lorsqu'il pas gagne mariage politique gagne monde qui estimé ça là li trop politique mais privé Juno Jean-Baptiste t'es privé t'es politique mais ils font élection parler dans camp politique li a li organisent élection parler dans camp politique li a jodi a moun yo gen des moun ki opté pour cour de cassation k'ap goumen pour cour de cassation pou kante la parole gen des moun ki kwè Guy Philippe c'est solution hein? Quand même mais dans l'intervalle gon CP qui là et jodi a monsieur yo yo fin travail selon toute information qui m'a gagné yo te gagné rencontre avec CARICOM CARICOM rete pour faire suivi avec gouvernement pour publier dans journal officiel PIA CPA dans le conseil présidentiel là c'est dans phase ça yo là c'est dans phase ça yo là et moi apprendre d'ici week-end ça week-end pas là yo capable publier arrêté cap nommer les membres du CP conseil présidentiel mais dans l'intervalle que n'aller dans cassation que nous aller avec équipe Guy Philippe que nous vini avec CP moun sa yo Gino Jean-Baptiste sécurité dialogue national bon même dans référendum des gros mots sous ça yo c'est pour la principale priorité yo sécurité dialogue national moi même sauf que ça me tout souhaiter sur question dialogue national là vous cantez la parole et gomba que m'écrit dans livre que me fait sous parlement parce que dialogue national là nous prend comme bagaille nous toujours prendre comme une occasion pour nous s'aborder tout ça yon dialogue national vle di parce que faut que nous rappeler que bon salut professeur Frizo Villier en pile pays a des occasions données où tout fait dialogue national et qui leur fait dialogue national c'est-à-dire que c'est les pays par exemple non génocide pays a soutenu guerre civile pays a soutenu situation extrêmement difficile compliquée pays a crise tellement en pile ou pas gain impression que gain issue possible et là ça arrivait
force vive nation, hein, l'église, patronat, et secteur privé, donc businessman, politiciens, pasteurs, jeunes, paysans, et diaspora, tout corps, tout monde qui est dans le corps social là, il dit, monsieur, pays a, soit pays a sauté dans la guerre civile ou bien dans le génocide ou bien dans des crises compliquées, genre Haïti a là, parce que Haïti a vécu des crises compliquées depuis 10 à 30 ans, eh bien, pour nous sortir, monsieur, faut que nous fassions un grand déballage. Faut que nous chita pour nous parler, pour nous déballer problème yo, pour nous étaler les problèmes yo, et pour nous entendre nous sur une perspective de solution durable à problème yo. C'est ça qui est un dialogue national. Mais on a vu, durant cette grande procédure de manipulation en 2014, El Rancho, sous Michel Martelly, qui voit l'abouti à quelques partages de postes des ministères, des directions générales. On l'a vu trois ans après, un an après, en 2015, avec l'arrivée de Capé comme premier ministre. Pendant président Moïse comme PM, pendant président Moïse au pouvoir, on l'a vu à plusieurs reprises, notamment pour Jout Rivé comme PM, pour Jean-Michel Lapé Rivé PM. Ouais, aujourd'hui, dialogue national. Yo galvaudé thème dialogue national là. Yo baye quelques postes à des amis, direction générale, ministère, sans que nous pas jamais aborder crise haïtienne là, qui c'est d'abord une crise économique et après une crise politique dans son essence, dans sa substance. Nous aborder, nous dit monsieur, il faut sortir de l'auberge. Va laisser nous, on fait ça. L'ancien sénateur Turonep Delpé Ferville a demandé ça. Nous pas jamais fait bagaille ça. Je dis à une nouvelle là. Mais j'ai tout le monde que dialogue national dans l'agenda CPA. Faut que j'aille sur aider. Dans ça. M'a demandé CPA quel dialogue national. Est-ce que c'est dialogue national de 2014-2015 sous Michel Martelly qui aboutit à quelques partages de postes à des demandeurs d'emploi de la classe politique? Parce que nous les acteurs politiques, nous les acteurs politiques, généralement c'est des demandeurs d'emploi, des affamés qui cherchent un job pour entrer dans l'État. Nous faisons toute vie là. Tout dialogue national qui gagne, c'est des artifices malfagotés pour nous bailler pouvoir à des gens qui disent que parti politique, pour nous partager pouvoir, direction générale, diplomatie, ministère. Nous gagnons trop de temps à faire bagaille ça dans le pays. Et nous n'avons pas de résultat. Zéro. Résultat. Est-ce que c'est l'ICPA pour le faire? Je voulais que CPA étonne. Nous pas voulions un dialogue national, entre guillemets, qui pourrait articuler autour de partage de gâteaux, parce que bagay ça, pas bel résultat. Qui pourrait limiter à quelques calculs politiciens, c'est-à-dire que quand je dis calcul politicien, des politiciens qui disent que dialogue national, finance pour moi, agriculture pour moi, éducation pour moi, diplomatie pour moi, culture pour moi, ONA pour moi, la douane pour moi, etc. Valestin, moi-même dis la pays. J'ai beaucoup vu en Haïti. J'ai beaucoup retenu. J'ai beaucoup compris. Si t'es sac pour le dialogue national, Haïti ne sortira pas de l'auberge. Haïti ne sortira pas de ces crises perpétuelles. Haïti a continué à entrer dans tout. Parce qu'un vrai dialogue national, c'est un vrai dialogue qui pousse ta autour de partage de richesses, autour de pauvreté de masse, autour de chômage, autour de blocage systémique, système. Non. Pour qui ça, c'est toujours un petit groupe qui gagne market en dans pays a. Pour qui ça c'est toujours un petit groupe qui gagne bac en dans pays a. Pour qui ça c'est toujours un petit groupe qui gagne à la fois monopole. Yo campé en oligopole pour contrôler tout monopole en dans pays a. Faut
question sensible et essentielle ça haut sous table là. Moi c'est mon combat derrière ce micro et c'est un combat à travers plus moins. Il y a des questions importantes faut que poser. Nous avons 40 ans n'a fait simagrie, n'a fait manipulation politique, n'a fait 40 ans n'a joué avec pays. Faut que question ça revienne sous table là. Pour qui ça ont tiré non pas gagner assurance. Pour qui ça ont tiré deux pas ca non pas ca un grand importateur. Pour qui ça ont tiré deux pas ca dit que moi-même me prale dans BNC, me prale dans FDI, me prale dans ONA, m'a prêté tout 600 millions de gourdes pour mon projet élevage, pour mon projet dans pays, pour me faire un projet élevage de dinde, élevage de poulet. Faut que question ça au poser. Faut que société a gardé tête li nan miwa pour que sérieux pour quand la parole professeur Maniga gon ti parole que le terrain m'a dit nan émission sois sérieux là on parle qui passe à côté lui sois sérieux pose une belle question comme ça pose une belle question sois sérieux que soit déformé li faut que nous sérieux ak pays a et faut que nous comprenne que Valestin y a un dialogue national autour de partage de ministère de direction générale de poste de diplomatie. Juno et Valestin, nos perspectives individualistes, il y a suffisamment de réseaux de contacts pour yo confortable là-dedans. Radio Omega. Ça pas important pour moi. Parce que je suis confortable dans le système personnellement, individuellement, avec des amis, avec la famille. Mais collectivement, je suis confortable parce que ou pas qu'à circuler, ou pas qu'à aller dans le restaurant, ou pas qu'à aller dans la prison. Donc, quelqu'un qui est riche aujourd'hui en Haïti, qui a accès dans l'État, qui a fait comme dans l'État, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Parce que, il n'est pas un côté pour dépenser l'argent, ça. Il n'est pas un côté pour le vivre. Il n'est pas même qu'à sortir. Parce que l'échec haïtien est collectif. Parce que l'échec politique de ce pays est collectif. Parce que l'échec économique de ce pays est collectif. Radio Omega. Tout échec au collectif, eh bien, on est, quelle que soit dimension succès individuel qu'on est capable de gagner, malement, ou très bien, j'aime bien dans la rue, hein? Ou pas heureux, non? Même si on fait comme ça, même si on fait comme ça, ou bien on fait comme ça très mal, ou pas heureux. Parce que l'environnement global de ce pays, pas bonne occasion, même pour sortir pour aller pour petit crème, même pour sortir pour mener petit tout, sorti dans le restaurant, même si vous parlez que bon, puis si vous parlez en Haïti. Donc, ce dialogue sérieux et profond, patriotique, faut que nous fassions dans le pays, pas un dialogue social qui pourrait tourner autour de partage de chantier entre les membres de conseil présidentiel. Mais ouais, quand il y a des bagages à faire, je dis à M. Kito Balenès, c'est une bonne émission net. M. Kito, M. Kito Balenès, mais longtemps qu'on a un combat à faire, tout qu'on a des émissions. Mais dans ça, ni là, Juno Jean-Baptiste, et que nous t'entendons, et quand même, faut gagner et des mouns qui ka vin là, li résout ça, Juno Jean-Baptiste. Et c'est ça que fait, faut gagner un bon ministre intérieur, dans ça là. Faut nous gagner un bon ministre justice, Juno Jean-Baptiste. Faut que nous gagnions et faut que nous gagnions un bon ministre travaux publics. Faut que nous gagnions un bon ministre travaux publics et des jeunes non. Faut que nous gagnions un ministre affaires étrangères. Nous besoin bon ministre PTC. C'est lui-même travaux publics là. Nous besoin bon ministre affaires étrangères toi. Oui. Un ministre finance. Solide tout. Nous besoin bon ministre environnement tout. Un ministre agriculture qui solide. Nous besoin bon ministre agriculture. Nous besoin bon ministre comme bon ministre éducation tout qui pas dans propagande. Ouais, qui pas dans communication seulement. Qui dans action réelle. Est-ce qu'il y a besoin ministre touriste dans moment là? Dans contexte et ça ni là. En fait, c'est mon pays, nous avons tout besoin ministre touriste. Non, mais dit dans moment. Ah, oui, dans contexte ça. Dans contexte ça. Est-ce qu'il y a besoin ministre touriste? Non, personnellement d'abzo. Ou bien de façon comme ça. Pour une façon, c'est qu'on est capable de dire que, pour une façon, c'est qu'on est capable de dire que, pays a bloqué, ça gagne là en Haïti, pas gagne touriste cap venu, ou pas gagne qu'une politique touristique pour essayer de mettre en œuvre là, ou capable, on est capable de ministre ça. Ça, c'est pour une façon,
Deuxième façon qu'on va voir, le gars dit, bon, écoute, on quitte là, parce que nous voulons battre ensemble pour nous essayer d'assainir un climat politique là, assainir un climat sécuritaire là. Donc, on quitte là. Donc, il y a deux façons qu'on va voir, tout dépend de monde qui parle décider. Mais, sous garder le rôle au ministre, c'est Gino Jean-Baptiste, c'est faire promotion, hein, pour industrie. Ça, puisque nous en Haïti, pour l'industrie touristique en Haïti, pour encourager les gens à venir visiter le pays, à participer dans l'exposition. Récemment, nous sommes au ministre. Il n'est pas bloqué. Le ministre n'est pas bloqué. Même dans le baron, nous allons. Non, je demande est-ce qu'il n'est pas bloqué. Je demande non, non. Parce qu'il est dans l'exposition café. Mais il était bloqué tout. Il était bloqué tout. Il était bloqué. Ok. Il était bloqué tout. Ok. Il était pas arrivé tout, il était bloqué. Donc même, vous reconnaissez si il est rentré. Bon, moi c'est sous Prince Ayo, les gens qui prennent la ville là, ils ont en pile vraiment, en pile travail pour faire question de sécurité pays, sécurité nationale pays, Gino Jean-Baptiste. Ville de profession, nous, peut-être, n'en tête pas nous. Parce que nous, nous sortis, nous pensons comme si nous pas en situation de sa gang là. Eh bien, il y a une connexion. Et chef gang, yo connecté dans tout pays là. Parce que davantage, faut que nous préparer nous pour n'importe ce qui pral gain pour passer en dans pays là. You know, qui l'a fait m'pa gen information ça m'te vle gade et pré parti a et moi vle quoi et moi vle quoi de faire on font bon râler et avec auditeur Radio Mega auditeur Boukanté la parole yo jodi a nous font bon râler avec yo m'espérer nous pral continuer échanger dans Boukanté la parole mais le temps pour capable prendre pause là et puis avant mais d'avancer. Oui, Valestin, pendant que nous allons prendre une pause. Et moi, je ne sais pas, Valestin, je vais poser une question longtemps. Et je vais poser une question à PIA, c'est une question très, très sérieuse, très importante, oui. Ça ne fait de l'école dans le pays. Parce que, avant de venir là, je regarde une vidéo. Du fait dans l'école normale supérieure, ça a eu les Lens. Sans compter du fait qu'il prend un ENAT, école nationale. Je ne parle pas, mon cher. Je ne fais pas prendre un ENAT, mon cher. Je mettais du fait dans ENAT. Oui, je mettais du fait dans ENAT. Je ne fais pas prendre un ENAT. École nationale des arts. Regardez l'image, et puis, où qu'on est moi-même, c'est partisan. C'est un adepte de perspective analyse sur le temps long. Parce que je crois que chaque histoire vive aujourd'hui, les grandes explications chronologiques, les grandes explications à travers le temps. Je me songeais, même Bletonem me dit, il faut m'écrire sur ça. Trois mois alors, moment ça, je me fourré des pains, dans le fond de travail comme journaliste. Mais je me suis au courant que le pays a vécu quatre mois alors, septembre à décembre 2019. Des politiciens, des oligarques, parce que ils étaient obligés de pouvoir, parce que ils étaient estimé que Jovenel Moïse pas rentré dans stratégie, dans cadre d'intérêt, dans champ d'intérêt, faut que tu jetes par tous les moyens sont bons. Et quelqu'un qui voit comme une caractéristique de état faible Haïti au sens d'André Corten. Le pays a comme état faible, c'est toujours obtenu des moments d'instabilité chronique qui gagnent des manifestations comme ça. Mais, regardez le moment, ça, 4 mois, 2019. Si vous prenez 2019 à aujourd'hui, je ne crois pas que Haïti, pays, a jamais atteint 200 jours classe officiellement recommandé par l'UNESCO. Ça que me constater et qui désassorné, c'est que
ça a provoqué très peu de débats valestin. Mais avec vous, en 2022, t'es fait un peu de débat sur ça, sur l'école. Et nous t'es demandé démission d'Esprit Maniga. Nous t'es dit, quand t'es la parole, nous t'es fait ça avec courage. Mais il y a un pays, monsieur, parce que moi, je vous dis, c'est l'école. C'est l'école qui fait. C'est l'école qui voyait dans l'université, m'étudier, me faire sociologie, me lire, m'écrire, me lire. C'est l'école qui fait me comprendre le pays, qui fait me comprendre la société ma vivre là-dedans. Là. Monsieur. Vous cantez la parole. Comme si là, pour nous faire Haïti ça, monsieur. De qui monsieur parle? Tout le monde qui est impliqué, qui est responsable, mais ça va vivre là comme crise totale. Okay. Monsieur, pour faire payer à ça, parce que cette crise-là, qui c'est crise de l'école-là, nous ne parlons pas parce que nous avons insécurité, nous avons un cap mourir, mais ou bien parce que l'école-là vient reléguer au second plan. Mais là, là Jean-Baptiste, contexte nous est là, est-ce que on ministre de l'éducation nationale, nous avons eu tout problème avec Nespi Maniga. Dans le contexte nous est là, est-ce qu'on ministre de l'éducation nationale? Non, on va pas de l'Esprit Maniga. Non, on va dans l'Esprit. L'âme générale. Donc, on pense que tu as un gros débat qui fait autour de l'école, journée aujourd'hui. Bien sûr, l'âme pas dans l'Esprit du tout. C'est-à-dire, Valestin, qui choix que nous fait pour les 10 ans qui viennent? Qui choix que nous fait pour les 20 ans qui viennent? Valestin, pays qui a marché, yo. Yo pas parlé, il fait pays sous un an, sous deux ans. La grande Chine, ça nous est Chine Pékin, la grande Chine planifiait tout 21e siècle, comme ça, vous avez fait ça. La grande Chine Pékin, ils ont planifié tout 2002, 2001 à 2100. La France, pareil. L'Espagne, pareil. La Russie de Poutine, pareil. Dominique a parlé de 2050. Ouais. Bon, de ma vie crier, man. Paul Kagame a parlé de 2060. Mais regarde si mon l'école il avec tu dis ça dit il y a des gens qui là qui réfléchi au jour. C'est l'école qui dans l'école là, c'est dans l'école. C'est au jour les jours qui a réfléchi. Pays ça a réfléchi à penser pays sur le temps long. Ouais. Qui plan pour pays amen lorsque on réduit l'école à ça. Mais où qu'on est poser question amen parce que pays n'a pas parlé là au jour Jean-Baptiste. Vous grande bagarre fait. Et moi plus monde pas insister sur lui. Entité à relé ISHI, c'est ça. Les contrats, les présenter chaque trimestre des documents, les faire, les produits. Mais, je ne pays ça, qui est capable de planifier 2100, 2050, 2060, 2070, là, Jean-Baptiste. Il respecte les principes de recensement là, Kayo, Jean Jean-Baptiste. Je ne connais pas ce qui fait pas un débat dans la société. Ya. Et candidat eux-mêmes, tous les arrivés dans la campagne, vous connaissez ça qui fait Jean Jean-Baptiste, vous ne pouvez pas vous dire, vous comme si vous inventez une parole, vous ne pouvez pas gagner comme document dans la main, Jean Jean-Baptiste. Vous ne pouvez pas gagner dans la main comme document pour parler, pour dire, pour garder besoin de la société. Ya. Je dis à nous-mêmes, dans l'émission Boukanté la parole, là, nous sommes capables de dire que la société a comme si des problèmes de sécurité. Mais, cause qui produit ça, là, aujourd'hui, là. C'est vrai, nek qui gen zam nan, mais yo toujours dit, c'est ghetto yo qui marginalisé, c'est besoin sociaux de base yo qui pas répondre, dans ghetto yo qui fait aujourd'hui, y a défendre tête pa yo. Je ne pas de travail nous pour faire société ça non. Et au sous deal dialogue national là il pas qu'à faire sous base partage gâteau. Je dis à chaque monde qui prend une responsabilité n'importe ça qu'a pour venir installer là. Mais comme c'est PAC devant et moi apprendre car comme déjà parlé avec Ariel Henry sous question publication hein, et c'est après a bien organiser talent pas nous mais non. Ministre planification, Gino Jean-Baptiste. Pas quelqu'un qui va venir là comme si, parce qu'il est sénateur de la République, il qu'on a fait manifestation, l'a crasé dans le Parlement, puis je dis à la personne qui va venir pour nous ramener comme ministre planification, non? Non. Ou pas après nous mettre planification, non? Parce qu'il. Bon, d'ailleurs, on grène bagaille, m'a dit nous. D'ailleurs, on grène bagaille, m'a dit nous. Car il y a un monde qui va vous dire. Je dis à déficit
nèg a zam yo gen et pa yo a jwenn bay pouvoir. Il a fait la veille. Yo l'aime dit a fait la veille comme si faut qu'on moun kal pa la veille parce que nous fait l'autre pouvoir. CNDDR te existe sous Préval, il existe sous Jovenel Moïse. Faut qu'on entité qui pral parler avec moun yo. Mais pas gen moun là non kap goumen pou pran pouvoir. Qui te doit qui te force pour te jeter Ariel je dis à qui peut-être qui voulait paraître en mettre pouvoir pas gen moun là non et même Jean tout pas gen moun tout qui te cap prendre pouvoir après départ Ariel Henry ou bien même après assassinat Ariel Henry pas gen moun qui te cap prendre ça veut dire jodia ensemble de moun qui pral cap gen pou vinn là yo gen en pile responsabilité. Et jodi a un ministre d'éducation nationale qui va venir là. Mais pas quelqu'un qui peut faire photo là Gino Baptiste. Pas quelqu'un l'école qui a fonctionné là pour marcher pour aller faire photo fait. Mais ou besoin ministre d'éducation nationale qui a mettre pied la terre pour aller parler avec tout secteur pour l'école là ouvrir. Et au dit moi ouais réaction quelque monde avec moi là. C'est unique pays. C'est vrai qu'à tout chap tiré, l'école campée, ça a pas préoccupé tout, pas occupé moun dans la société. A pas vle dire rien. Depuis 10 ans là. M'a gardé un ami là qui écrit, m'a dit récemment, m'a parlé de Bravert, m'a félicité Bravert, qui ça l'a utile même, il doit 3 mois dans l'État. Mais qui 3 mois, qui l'État? Ou t'as dit depuis 10 ans? Depuis 10 ans, Ismaël. Soudan du Sud et Soudan du Nord, il y a une guerre civile, des milliers de morts presque chaque semaine. Je regarde le reportage dans la phase 24 semaines. Tu ne peux pas fonctionner. Si vous allez à l'école, normale. Je regarde des implications citoyennes qui gagnent. Je regarde des implications citoyennes qui soutiennent des démarches. Si vous faites effort, il y a l'école. Et les deux camps, les deux groupes qui s'affrontent, le nord et le sud, yo connaît, c'est écrit noir sur blanc que yo va jamais attaquer l'école, que yo va jamais attaquer tout le monde qui est uniforme. On peut gagner guerre civile. Pas oublier Haïti n'a pas guerre civile, ouais. Nous pas gagner. C'est des groupes gangs, des groupes criminels qui croient que yo capable imposer la terreur en Haïti. Yo pas connaît qui objectif bataille yo. C'est-à-dire que ça a soudain vivre la plus compliqué que Haïti. Mais les enfants gagnent des efforts qui font pour à l'école parce que après l'école, qui ça encore qui réserve une société? C'est l'école. Chaque petit monde qui a fait jeudi a ou bien après demain, pour petit monde qui a réussi tête li, épanoui tête li, et pour qu'il y ait un projet, pour qu'il y ait tête li dans Haïti, pour contribuer à l'amélioration de la vie dans l'espace vital ça qui est Haïti. Hein? Non, mais monsieur, bon, par contre, côté où vous allez, mais même j'aime des là, me parler, me faire quelque chose parler aujourd'hui là, même penser faut gagner, faut go là. Jean-Baptiste, ça que vient jeune là, me pas capable vérifier lui, mais il y a des possibilités là pour faire installation d'ici jeudi et qu'a vienne là. Et bah, c'est une bonne chose et faut que monsieur installer CPA, faut qu'il y ait avancé et quoi que c'est parmi les solutions c'est la moins mauvaise et son belle formule c'est la moins mauvaise donc tout ça qu'il a comme solution pas une solution parfaite donc solution ça c'est la moins mauvaise donc et nous quoi que faut que nous avancer. Même si Balestin, faut que nous dit ça, et faut que CPA clair que y a vini dans un terrain qui est compliqué, situation pis malouk que j'en étais en juillet 2021 là, il a été bon pouvoir, situation pis malouk en février 2017 lorsque Jovenel Moïse était président. Que quel monde pas chercher excuse pour dire que nous pas de connaître ça, nous pas de connaître situation était compliquée, situation compliquée, crise la malouque
Et l'ensemble des acteurs qui ont le processus là, c'est des grands mondes qui vaccinent, qui comprennent, parmi eux de très beaux profils académiques, qui comprennent, qui mesurent l'ampleur ça la bouche dire. Donc, pas de excuse, pas de prétexte. Si vous impliquez là-dedans, si vous rentrez là-dedans, c'est parce qu'on est capable de porter quelque chose, ou capable d'aider à ce que pays a. Nous joignons une transition qui est plus ou moins ordonnée, avec un agenda clair, avec des objectifs précis et déterminés. On nous propose un abtouné. Tenez messages, ça très important. En pile moun a plein de yoa pour Jean sans foi ni loi a déchet pillé dans affaire taxe. Zami, veillez. Bouche tellement bon, y a bon prier sans confession. C'est les ARS rivé sous ou à compte côté ou te prend. Mais tout, pas de peine sans secours. Désormais, pour toutes affaires taxes ou, yon seule référence, Velatus Tax Services de Ilano Jeune. Yon jeune garçon, en pile moun fait confiance pour bon Jean service n'a offri à communauté. Anessa, pour toutes affaires income tax, tax pour business ou, Velatus Tax Services pour faire confiance, pour gérer ça. Vous pouvez acheter aussi nos 20 cailles, Velatus c'est mettre béton. C'est tout le monde qui a dit en pile satisfaction. Réline 954-865-2204. Passez Kounia 3923, les coins Fraude, suite 107, les coins Florida. Yon seule adresse pour yon latrier service tant qu'on transfère l'argent pour n'importe pays. Notarié, immigration, real estate, mortgage loan pour citer ça yon seulement. Réline 954-865-2204. Ou carré les offices là, 561-429-2044. Nous parlons créole, français et espagnol. Visitez-nous à info. @villatures1.com avec Villatures Tax Services en pile famille jodia une réjouissance parce que vous faites confiance. Réline 954-865-2204. Changer mentalité, et puis n'a pas avancé. Changer mentalité.
Rabal. Et qui tombait en Rabal. Et nous apprenons tout. Et Gino Jean-Baptiste. Son monsieur qui m'habite ouais, tout le temps dans ce mat là. Et donc toujours. John Zissel, donc m'habitue tout le temps. Et qu'on avait le professeur Dovillier, professeur Zago, qui va chez nous là, qu'on connaît très bien. Et plusieurs amis qui de fonctionnaires, de jeunes cadres, qui toujours réunis dans ce temps là de façon la parole. Quotidienne. Il y a fait débat, il y a parlé pays, il y a parlé cinéma, culture, musique, politique, sport, tout bas net. Et puis, les amis, ça, c'était son ancien colonel, selon l'information que Mglané concernant parcours, ils sont anciens colonels dans l'armée haïtienne. Et c'est un monde qui est très cool, réputé cool. Elle venait boire à messieurs, bailler à l'autre monsieur, et dans Starmat. Donc, c'est un peu le portrait de monsieur ça qui tombait Jodia. Et les mouais photos, elle me dit, oh, comment vous avez qu'on voit mon ça. Et puis il m'a parlé avec mon qui connaît lui. Et puis qui expliquait, c'est un ancien colonel qui est toujours là à babler avec tout le monde, par les pays, par les musiques, par les cinémas, par les sports. Et puis tout hier il a dit que il était dans Starmat, tout hier il était dans Starmat et était chez dans Starmat là. Et puis il va te connaître que Jodia soudainement bandit pour aller racher la ville avec fracas. Donc il est médecin aussi, hein? Il est médecin aussi. C'est un peu ça, Haïti. Yes, exact. C'est un peu ça, Haïti, depuis quelques temps, c'est sa situation. Radio Omega. Et la mort a marché, a psionné dans toute la rue Port-au-Prince. L'a cherché monde. Les yeux bandés, et puis il a cherché mon nom, c'est ça. Monsieur Lambert, tout personnel. Cette femme aux yeux bandés. Non. C'est Lambert. Lambert bandé. Lambert avec les yeux, Lambert bandé, oui, l'a cherché mon nom. L'a bousqué mon nom. L'a bousqué mon nom. C'est un peu ça, c'est ça, climat terreur en Port-au-Prince depuis 3-4 ans. Mais va laisser faire tout ça. Mais puis, représenté comme un monde de bon commerce, très humble. Yeah, exact. Donc, c'est personnage ça qui a décrit et pour nous là. Et il est prêté service à l'alphabétisation. Oui. Alphabétisation. C'est sérieusement, on le faut que nous. Fait des comptes, monde qui est allé, monde qui mourit. Mais puis, il y a moi, j'ai plus le monde, on doit parler des comptes là, en plus, monde. Des comptes, monde qui mourit, en si peu de temps là. Faut que nous fassions le balestin. Juste tout ça là, et puis, on regarde tout le monde qui a défié dans la mémoire. Oh, en pile. Moi, Thomas là, il a écrit un article comme ça, et il a pensé, nous t'es qu'à former un pouvoir avec ensemble de monde, ensemble de cadre, nous perdu en dans pays a dans tête de liste, il mettait mon Ferré Doval. Oui. Non, article ça. Si va dire que alors il est Maurice Antoine. Donc pays a mangé en pile monde. Radio Omega. Mais au-delà de parler de réalité ça, d'écrit réalité a qui c'est un travail qu'on fait chaque jour. C'est ça le travail des journalistes. Parler de réalité à chaque jour, d'écrire, raconter mon yo, expliquer mon yo, hiérarchiser, faire mon yo comprendre ça dans la vie là, dans toute dimension dramatique là. L'important, Ismaël, pour nous esquisser des perspectives sur comment pour nous sortir dans ça. C'est un peu le rôle des médias également, le rôle des journalistes. Parce que nous pas capables de constater bagay là, et comme quoi nous condamner pour nous vivre là-dedans. Et vous avez dit, docteur Paddy, vous avez tenté de prendre un cafou de café pour vider des balles sous les. Monsieur était très impliqué dans le canapé vert. Vraiment, il y a un pile, non? Mackenzie Guerrier. Docteur Mackenzie Guerrier, hein? Jeune dentiste, brillant. On ne bat pas dans ça, Ismaël, parce que nous sommes trop. Ben, c'est son réalité, parce que. C'est pas nous qui inventons lui, c'est pas nous qui créons lui, donc nous vivons lui. Mais les nous dit ça a peut-être fait un pile monde prendre conscience. La petite
parents captant de là ti moun captant de là ka gen a crier mais quand même faut rappeler moun yo quantité moun nous qui victime dans société. Donc après faut que nous après bilan ça faut que nous dégager des perspectives sur comment pour nous sortir là. Parce que toute société où qu'on atteint le fond hein, et toute société qu'on confronte des situations difficiles, toute société net, toute société, même États-Unis que nous prenons comme la plus grande puissance mondiale et la plus grande économie mondiale, qu'on confronte à des situations difficiles dans l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire pays yo pas dans point ça pas trop différent. Mais l'essentiel c'est comment se relever. L'essentiel c'est comment se relever, hein. Se relever des drames, des crises complexes, compliquées qu'on a vécues. Parce que quand vous regardez l'histoire du monde palestinien, pas rien qu'un pays, non, mon frère. Chercher qu'un pays pour qu'un monde. Et je voulais que les Haïtiens détrompent eux. Et capable de gagner des pays qui croient que faut qu'ils aient beaucoup de main, faut qu'ils aient beaucoup de béquilles pour avancer, faut qu'ils aient aidé eux. Mais ils n'ont pas jamais aidé eux progresser. Progresser, avancer, couper le robinet qui a produit la crise là, qui a produit tout le drame ça eux. De juin en Haïti pendant 40 ans, c'est une décision souveraine qui doit venir des forces vives, des élites, entre guillemets. Et ça m'a dit tout à l'heure, dialogue national profond. Décision pour nous couper fâchés avec genre de logiciel qui a baou groupe gang, qui a baou l'amour, qui a baou kidnapping, qui a baou tout drame qu'on a vécu, qui a baou l'école bloquée de façon régulière, là, qui a baou crise économique, qui a baou grand goût, pauvreté, chômage. C'est une décision haïtienne, c'est une prise de conscience haïtienne, c'est une intelligence collective pour nous développer entre nous. Cette intelligence collective qui presque paraît introuvable pour nous chercher, pour nous joindre et pour nous dire, monsieur, mais écoute, what's going on, man? What's going on, man? Ça n'a fait, ça ne doit faire. Faut qu'on parle qui se coin. Je suis en 2010, 2011, j'étais étudiant sciences humaines en sociologie et puis j'étais en conférence qui t'a faite dans Focal, c'était Franck Etienne. Franck Etienne, qui sont sommité, qui est un écrivain passé de présentation, un plus grand écrivain haïtien. Mais c'était un ensemble d'étudiants. Ça l'a été plein d'étudiants. T'es un gros étudiant qui posait Franck Etienne en question. Qui dit, Franck, ça fait Franck aimer crier sur la qui est émotionnel. Franck crie, Franck dit, monsieur, ça fait pas qu'à changer pays, hein, monsieur. Ça fait le produit tout le monde sérieux pour ne pas changer Haïti. Et puis on a assisté à ça, on a étudié, on a posé Franck en question, qui dit Franck, vous posez des questions, on peut écrire, moi vous donne une réponse là. Chaque sac fait pays, il n'y a pas qu'à changer. Après tout le temps, ça, 200 l'année épique. Quand ça, Franck, tu as dit Valestin, 2011, Franck Etienne dit comme ça, parce que nous pouvons atteindre le fond, nous pouvons arriver dans toi. Suffisamment fond pour nous prendre conscience. Il y a un étudiant qui est impliqué dans la salle là qui dit, mais nous toi déjà, il dit non. Faut que nous tombions dans toi, puis fond toujours. Et puis pour nous tout faire ensemble. Faut que tu aies une son image, on dit. Faut que nous tombions dans toi, puis fond toujours pour nous tout faire ensemble pour nous tout pas mourir et pour nous tourner, bao! Et puis pour nous prendre conscience. Vous sentez ça là? Si nous est-ce qu'il y a beaucoup dans toi? Nous n'en toi déjà. Parce que là, nous n'en toi déjà. Pas la vie possible. Non, nous n'en toi là déjà. Mais c'est malheureux, mon Dieu, pour entendre parce que chaque monde qui a Haïti dans tête, Dieu, Juno Jean-Baptiste, pendant qu'on a parlé de l'école là, on communique pour la presse qui vient de nous là. MNFP condamné tout zakrasé, brisé contre l'école et l'université qui sait, pour tout mi-temps, toute société,
nan formé citoyen yo. Ministère éducation nationale ak formation professionnelle dénoncé et puis condamné à toute force li tout zak krasé brisé k'ap continuer fait sous l'école yo ak université yo. Attaquer l'école ak université, détruire archives, bouler l'école ak université, craser, briser matériel l'école ak université, c'est détruire membre principal yon société, c'est détruire potomitan yon kay qui permet toute société à cramper jam pour préparer avenir timoun ak jen yo ak avenir peyi a. Dernier gros acte contre l'école ak université six. Dernier gros acte contre l'école ak université, c'est ça qui rive nan attaque qui fait sous l'école Freno ak l'école normale supérieure nan Port-au-Prince côté bandi boule local yo. Est-ce que nous connaît l'école normale supérieure? C'est yon nan pi gros ak pi ancien institution ka formé professeur nou yo ka bay service nan l'école l'état ak l'école privée nan peyi a. Men FP a rappelé yon lot fwa encore, pa gen peyi sans éducation, pa gen éducation sans l'école. L'école ak université c'est temple connaissance ak lumière pour aider toute société avancer si tout ça qui pi faible grâce à l'école tout si monde qui arrivé réaliser rêve yo li temps pour zacraser briser yo suspend sous l'école yo ak université yo comme ça men FP lancé yon appel ak yon cri pour tout monde mettez main pour protéger l'école yo qui c'est institution de base pour préparer avril timoun yo. Men FP profite voye sympathie bay tout victime nan société a kap sibi attaque sa yo ak zak krasé brisé sa yo. Nan sans sa, men FP profite mwen di nan sans sa. Men FP profite voye sympathie bay famille Maurice Antoine. Ke nou sou t'ap pale la, yon nan pi ancien cadre nan ministère éducation nationale. Comptable, bureau, secrétaire l'État, alphabétisation. Bandi yo touye, jodi, jeudi 28 mars la. Men FP réaffirmé, yon lot, men FP réaffirmé, yon lot fwa anko. L'école doit protéger, nan kelke ke soit circonstance lan. Droit à l'éducation ti moun yo doit protéger tout temps. L'école pa péri, an mete main pou nou sauve l'école yo ak ti moun yo. Bureau communication ministère éducation nationale ak formation professionnelle. Yeah, et Valissin, entendez nous? Oui, entendez. Gé professeur Dorvillier qui était con moi très très bien et qui est comme petit message jamais appelé le poli et un homme de 75 ans qui ne peut pas mourir tranquillement dans son pays. Qui veut comprendre comprendra donc. 75 ans hein. Moi même pas con la 75 ans moi il gagne. Et qui était capable de vivre aux États-Unis, mais ça pour nous de comprendre que non, là, ça, ou pas, je vis aux États-Unis. Ah oui. Non, là, ça, rien qui veut vivre aux États-Unis. Alors, quelqu'un qui allait, lui-même, il fait choix d'arrêter là. Il fait choix qui gagne. Non, ça, c'est. L'âge qui est mort. Oui. Et ouais, il présentait comme. Il y a ancien cadre ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui atteignent l'âge ça, qui, au soir de leur vie, en langue française, à vivre dernier moment, dernière année de la vie, qui pas qu'à vivre dernière année la vie yo dans pays yo. Et puis pour nous dire dernière année la vie m'a vivre dans pays pour mourir tranquillement. Vous cantez la parole. Pour mourir de maladies naturelles. C'est grave hein. C'est grave. Mais justement, c'est ça c'est peut-être. Grave et c'est triste. C'est ça et grand pile monde qui a écrit des moi qui était connait moi Junior Jean-Baptiste, grand pile monde qui a dit Fritz Dorvillier avec moi ses amis yo et donc en tout cas sympathie à famille nan Junior Jean-Baptiste, mais nous-mêmes combat n'a pas mené un combat, mais non combat partisan. Nous pas mené un combat partisan. Nous pas mené un combat parce que n'a cherché un petit job. Nous croyons si Haïti
Haïti ça, Haïti ça là-dedans, s'il stable économiquement, s'il stable politiquement, gan pile bagay nous capable de faire là. Souen là, c'est pas parce que nous pas gagné pour nous faire. Nous là, c'est parce que nous aimer pays là. Nous recevons pile attaque. En pile attaque. Les émissions pas animées, pile monde fait attaque. Des monde qui prend plaisir yo. Je dis avec phénomène réseaux sociaux, yo écrit ça yo vle sur réseaux sociaux. Mwen wè yo. Gan pile moun ki wè yo. Mais nous connaît nous non combat. Avec réseaux sociaux journée jodi a pa gen ken moun ki épanier. Personne. Tout moun à l'aise pour dire ça ou vle. Radio Omega. Nan fin journée, yo rentré la kayo, yo parla madame yo, yo parla petite yo parce que sou font bon travail. Yo attaqué un moun ou bien attaqué des moun qui sak liya parole k ap pote al parle nan sens li. Il parle nan sens li. Mais c'est ça combat la vie. Et li combat la vie. N'a toujours là. Et c'est nan moment ça n'ga goumen. Même si parfois ou gouma ki est soit goumen. Mais c'est là pour nous camper dans l'âge que nous est. Gon l'âge ou ap gagner, gon l'âge ou pral rivé ou pap ka goumen encore. Mais pap ka goumen c'est pour groupe moun qui doit décider pour retirer la ville. La vie ou Jean la vie Moy, Jean la vie Maurice Antoine retirer la journée jodi a. Et Juno sou dil gon l'âge ou rivé pi gros objectif fou et vin chita la caillou. Nous vivons récemment un citoyen qui a la radio qui dit bon li décide de vivre la caillou. Il y a des monde qui dit mais s'il pas ou insécurité a mais et la caillou l'a vini. C'est la caillou li dit il décide de vini. Encore son grand monde Gino Jean-Baptiste, l'aime dit grand monde qui traverse la rue, li vacciné, li connaît bien li ka différencier bien ak mal. Mais ils font choix pour le décider vin vivre la kayli Haïti qu'il remet en Juno Jean-Baptiste. Tout à fait. Donc les important pour nous prendre mesure ça n'a vu le jour là. Et qui pas petit non, qui pas petit. Et moi crois que génération pas nous hein et vivre en pile bagaille hein. Génération pas nous hein m'a parlé de génération pas maintenant Paola. Nous des crises monsieur, nous en pile crise. Et moi crois que bagaille ça renforce caractère nous tout. Bagaille ça renforce conviction nous. Bagaille ça fait plus robuste. Parce que pour un nèg ou bien femme campé là en Haïti ces 5-4 dernières années, faut qu'on robuste. Faut qu'on robuste au-delà des pressions familiales, mon gars, pression, faut qu'on quitte, faut qu'on aller, hein. Tout ça mon final aller, faut aller, faut aller au Canada, faut aller en France, faut aller aux États-Unis. Donc, faut qu'on robuste en pile pour camper là, pour vivre tout drame ça yo, pour nous vivre toute faillite société à vivre, sans que nous pas fléchis, sans que nous pas bail vague. Et nous pas bail vague, et nous gagnons toute légitimité nous pour nous pas bail vague, parce que nous croyons que, de même que gagnent des centaines de milliards qui croient que faut qu'ils aillent dans le pays blanc, faut partir. C'est de même que il y a des millions qui croient que faut qu'ils vivent là. Il y a des millions qui croient faut qu'ils vivent là. Juno Jean-Baptiste Seyon. Juno Jean-Baptiste Seyon, Valestin Seyon, Guerrier Henri Seyon, nous décidons de nous vivre là. Si nous vivons là, nous gagnons participation aussi minime soit-elle pour nous bailler à démocratie pays nous, à bataille pour notre société émergée. À éclairer la population, même si parfois c'est un travail qui est ingrat, c'est un travail qui gampille le risque, qui gampille le péril, et que, il y a plein de monde qui ne peut pas comprendre ça, qui toujours a choisi de mettre étiquette sur le monde. Parce que c'est ça que Haïtien fait plus bien. Mettez étiquette sur le monde. Bon, je dis plutôt, c'est ça que Haïtien fait plus bien. Mettez étiquette sur le monde, et puis cultivez la caillou en pile haine. Parce que moi, je me dis,
qui ça qui motive au monde qu'on cultive un haine contre Juno ou pas contre Juno. Juno va même connaître exister même. Vous dites que bon raï Juno Jean-Baptiste ça parce que l'a dit des bagages que qu'on pas aimer. Il a une conviction pas fort plaisir. OK? Ou raïl, ou gon haine contre lui. Ou raïl il est pas là. Ou raïl il est pas là. Bon Juno pas connon. Et pour gon haine ou raïl monde ça ou jouer monde ça chaque jour. Ben c'est une défaite pour monde qui cultive la caillou genre de haine ça. Son défaite hein, son défaite personnelle pour monde ça. Pour monde ça qui raille au monde que le pas connaît, que monde il raille pas même connaît s'il existait même. Ou nous-mêmes ça qu'on fait ici, c'est courage qu'on prend. Et en pile le monde ça va essayer de critiquer nous, qu'a bonne attaque. Lorsque en septembre, il faut le rappeler sans cesse pour que pays a songé, pour pays a pas jamais oublié. Septembre, octobre 2022, trois mois. Nous venons de nous comprendre la parole. En trois mois, nous dit que Ariel n'est pas capable. Ariel n'est pas capable, faut qu'il baille vague. Nous dit docteur Henri pas capable, faut qu'il baille vague. C'est toi et moi qui avions lancé cette rébellion-là. Ça veut dire. Contre Ariel Henri. Il va pas nous aider là. Non, déjà. Tout le monde qui vient après, c'est Valestin Ismaël, Jean-Ismaël Valestin et Juno Jean-Baptiste. C'est nous deux. Qui avons lancé la rébellion contre Ariel Henry. C'est nous deux, Ariel. Qui a lancé la rébellion en 2022. Nous dit, Ariel Henry, ta carité sous pouvoir. Faut qu'on bagaille qui fait. Et ça fait, et c'est ça que fait, je dis à nous, quoi que, nous ne pouvons pas nous dire dans la crise là, et nous proposer des noms. Des noms qui pour monter terrain. Michel Soukar. On a gardé ça demain soir. On a gardé ça demain soir dans l'émission pour canter la parole. Bon, moi, hier soir, moi, pas de chance de faire lire. Et c'est Moun Saint-Michel de la Talaye. Saint-Michel de la Talaye. Et bon, c'est Saint-Michel de la Talaye. Hier, m'a pas de parler sous ça. M'a pas de parler de ça hier soir. Et Mackinson Vincent, son ami, et alors, l'un de ses amis, une équipe d'amis qui m'a gagné dans Saint-Michel de la Talaye. Nous gagnons dans Saint-Michel de la Talaye. Les parties qui étaient amis, ça, notamment la famille Célie, qui étaient hier, c'est Mackinson et Vincent, mais l'AIT pour tout le monde Saint-Michel de la Talaye. L'AIT pour tout le monde Saint-Michel de la Talaye, notamment Madame Gerdine Célie avec deux frères lieux. James Célie et Woody Célie. Et nous connaissons un trio qui remet Haïti en pile, qui remet la caillou en pile Saint-Michel. Et vous allez Saint-Michel, faut passer la caillou moyenne, hein? Donc c'est un trio qui aime un pays en pile. Mais Jean de Mounji, c'est un trio Célie, c'est un trio qui aime un pays en pile, qui a un pile projet, qui a investi la caillou, mais qui m'a des politiciens, qui m'a des oligarques en seul bagaille. Construit un pays qui est mieux. Construit un pays pour tout le monde capable de vivre. Construire un pays côté me capable venir m'espérer me construire faire m'investir l'argent me faire business me voyager me vivre famille me faire activité économique et ça oui un pile monde dans diaspora mandé c'est ça oui un pile monde dans diaspora mandé yo pas mandé pile bagaille non c'est ça oui un pile monde en Haïti mandé tout vous prenez la parole bon bay pays a un minimum vital que tout le monde, que la grande majorité, a bien accès à lui. Et puis, reste là, ici, en fait, nous sommes peuple qui bataille, qui a goumé. Ou pourquoi, ici, on a dit marché, ou pourquoi, madame Sarah, ou même salut, Luc Ney, hein, à fond, vous travaillez avec comme ça. Ou pourquoi, madame Sarah, Madame, pas pour bailler oligarque monopole à oligopole non pas pour renforcer monopole oligarque non
mais pour dire monsieur oligarque ak monopolio avec les monopolio pour dire comme ça que monsieur faut que nous construisons pays a un pays qui a un minimum vital côté tout haïtien capable de vivre riche ou pauvre diaspora ou paysan tout monde capable envisager la pleine réussite de leur vie dans pays. Alors merci tout le monde qui t'a suivi avec nous émission Boukanté la parole, mais avant nous aller Gino Jean-Baptiste, demain c'est vendredi saint qui sort un produit de Boukanté la parole yo dans un contexte extrêmement difficile. Est-ce qu'on décide ou on fait contact pour faire un petit cadeau? N'a fait contact pour faire un petit cadeau parce que quand Boukanté toujours un aspect social ça la donne. Alors on va monter là non? Non, n'a fait contact pour ça. Ah bah c'est il y avait un petit bagage. N'a fait contact pour ça. On regarde ce café, pour garder le café pour mon yo parce que situation en contexte là extrêmement difficile. En tout cas, Gino Jean-Baptiste a essayé multiplier contact yo pour garder vraiment parce que nous vivons un contexte extrêmement difficile, vraiment difficile. Parce que c'est bon pour nous partager avec auditeur Boukanté la parole yo pendant travail ça lui-même la fête du noir continuer multiplier contact yo pour regarder comment le capable partager avec nous demain soir dans l'émission Boukanté la parole. Merci tout le monde qui t'a avec nous. Pour déporter l'émission Boukanté la parole pour asseoir Gino Jean-Baptiste, Jean-Ismaël Valestin, Fritzoni Lista fait toute manœuvre technique. Bonsoir tout le monde. Tendez message ça. Très important. En pile moun a plein de yoa pour Jean sans foi ni loi a déchet pillé dans affaire taxe. Zami, veillez. Bouche tellement bon, y a bon prier sans confession. C'est les ARS rivé sous ou à compte côté ou te prend. Mais tout, pas gué peine sans secours. Désormais, pour toutes affaires taxes ou, yon seule référence, Velatus Tax Services de Ilano Jeune. Yon jeune garçon en pile moun fait confiance pour bon Jean service la offrir à communauté. Anessa, pour toutes affaires income tax, taxe pour business ou, Velatus Tax Services pour faire confiance, pour gérer ça. Vous pouvez acheter aussi nos 20 cailles, c'est mettre béton, c'est tout le monde qui a dit en pile satisfaction. Rélin 954-865-2204. Passez Kounia 3923, les coins Fraud, suite 107, les coins Florida. Yon seule adresse pour yon latrier service tant coup, transfert l'argent pour n'importe pays, notarié, immigration, real estate, mortgage loan pour me citer ça yon seulement. Rélin 954-865-2204. Ou carrément office là, 561-429-2044. Nous parlons créole, français et espagnol. Visitez-nous à info@villachose1.com. Avec Villachose Tax Services, en pile famille jodia, mais réjouissance parce que vous faites confiance. Réline 954-865-2204.